J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. J'ai demandé à la lune, et le... Manipulation génétique suite, nous avons évoqué hier soir la première mondiale réalisée par des scientifiques écossais qui ont réussi à créer un clone d'animal adulte, à savoir une brebis de 7 mois. Et cela à partir d'une seule cellule, une cellule unique prélevée sur le pied d'une autre de 7 mois. Et cela à partir d'une seule cellule, une cellule unique prélevée sur le pied d'une autre brebis et donc sans spermatozoïde. Ces manipulations uniques prélevées sur le pied d'une autre brebis et donc sans spermatozoïde. Ces uniques prélevées sur le pied d'une autre brebis et donc sans spermatozoïde. Ces manipulations suscitent de vrais... Un ovocyte de sa mère, dont on a enlevé le noyau, à la place de ce noyau, on a mis celui d'une cellule de la glandule femelle. Un ovocyte de sa mère, dont on a enlevé le noyau, à la place de ce noyau, on a mis celui d'une cellule de la glande mammaire de la brebis, équipée de tous les gènes nécessaires. L'ovocyte, ayant son compte de gènes, a cru avoir été fécondé et l'embryon s'est développé. 150 jours plus tard, on pouvait dire « hello Dolly ». Cette technique, si elle fonctionne, pourra permettre de fabriquer en grande quantité des animaux transgéniques, ces animaux tellement utiles pour « hello Dolly ». 50 jours plus tard, on pouvait dire « hello Dolly ». Plus tard, on pouvait dire « hello Dolly ». Plus tard, on pouvait dire « hello Dolly ». J'ai demandé à la lune.